Ce portrait est sans doute le plus beau témoignage de l'amitié qu'il y a les peintres Léon Cogniet et Achille Etna-Michalon. Les deux camarades remportent le prix de Rome de 1817, l'un comme peintre d'histoire, l'autre comme peintre de paysage historique, le premier dans l'histoire de l'Académie. Ils quittent Paris pour Rome en 1817 jusqu'en 1821, où ils vont partager ensemble 4 années de peinture et de découverte de l'Italie. Ce portrait est réalisé dès leur arrivée à la Villa Médicis, où Léon Cogniet va laisser cette image de grand romantique qui aujourd'hui encore imprègne les murs du musée. Ses cheveux au vent, son visage d'ange et son air très romantique attirent toujours les regards des visiteurs qui découvrent ce tableau resté dans le fond d'atelier de Léon Cogniet.